Dernière nouvelle 24 heures. Le GIGN aurait-il pu intervenir plus tôt lors de la dramatique prise d'otage du Super U de Trèbes, Aude, il y a 3 semaines? Le Parisien révèle ce dimanche l'existence d'un délai de 10 minutes entre la tentative du lieutenant-colonel Beltrame pour désarmer le djihadiste et le déclenchement de l'intervention par les militaires. Le quotidien francilien a retracé le déroulé exact des événements de ce 23 mars, vers 10h39, Radouane Lakhdim pénètre dans le supermarché. Tue un client et le chef boucher, avant que les forces de l'ordre ne bouclent le secteur vers 11h. Les otages sont ensuite libérés, alors que le suspect s'est retranché dans la salle des coffres avec une hôtesse de caisse. Vers 11h28, Arnaud Beltrame, chef du dispositif de sécurité, prend la place de l'employé, en laissant son téléphone portable allumé. Assaut. Les négociations s'amorcent alors, interminables, avec le preneur d'otages. À 14h16, le militaire tente de désarmer le terroriste, en lançant, d'après la bande, assaut. 3 coups de feu retentissent, mais c'est un coup de poignard à la trachée qui coûtera la vie au lieutenant-colonel. L'intervention pour neutraliser Radouane Lakhdim n'a lieu que 10 minutes plus tard, il était nécessaire de localiser et évaluer les piégeages avant de les neutraliser. Tente d'expliquer une source auprès du Parisien, qui assure que le délai n'a pas été indiqué dans le rapport d'intervention transmis à la justice.